Ladies and gentlemen, boys and girls, bonjour et bienvenue pour la phase finale du grand tournoi de The News Naruto. Alors j'espère que vous allez tous très bien, moi pour ma part ça va super bien. Alors au niveau des participants, il y a quasiment tout le monde sauf Kasai Sensei. Malheureusement j'ai dû le disqualifier parce que j'avais déjà reporté le tournoi une fois et je vais pas le reporter à chaque fois qu'il manque un joueur. Malheureusement il a été disqualifié. C'est comme ça, c'est tant pis pour lui, j'ai envie de dire. J'ai donné la date à tout le monde. En tout cas, j'espère que le spectacle soit au rendez-vous malgré qu'on soit 7. Et je vous demande un service. Regardez le perso que je prends. Regardez bien, Karine Mizukage. Je vous demande à tous, levez vos mains comme Son Goku. On va faire comme Son Goku. J'ai besoin de toute votre énergie. Levez vos mains en l'air. Transmettez-moi votre énergie, j'en aurais bien besoin parce que là je sens au loin les Sasuke, les Minato, les Itachi, les Madara, les... Enfin, je sens vraiment tous ces personnages-là et je vais avoir du mal face à de bons joueurs. Et oui, j'avais à moitié raison, il y a deux Sasuke et un Minato, mais il n'y a pas d'Itachi, il n'y a pas de Naruto grande, il n'y a pas de Madara non plus. Ça va être très très chaud. En tout cas, levez vos mains en l'air. J'ai besoin de toute votre énergie. Il faut qu'on balance cette ultime attaque sur les 6 autres participants, ces 6 autres finalistes. Il faut que je gagne mon tournoi, c'est obligé. Là, je suis en mission et là, j'affronte Killer Vador 63. Le combat commence. Naruto enchaîne. J'enchaîne en balançant un parchemin pour réduire l'attaque. Là, Mizukage qui envoie Li en l'air. Naruto qui enchaîne. Le Sasuke qui ne passe pas. J'enchaîne. Brise Garde. Et la Brise Garde qui est passée avec le combo du bas. Et le Jutsu qui a simplement réduit la défense et la vitesse. Et là, il a pris le Yoton, mais lui, avant de se prendre le Yoton, m'a balancé un parchemin explosif. Et le combo qui ne passe pas, le combo aérien qui a failli passer au complet. J'ai tenté une chop, mais ça ne passe pas non plus, qui a été annulé par un incliné de Naruto. J'enchaîne, Naruto enchaîne, j'ai plus de permutation, et voilà, le combo aérien qui passe au complet. Allez, là, Naruto qui enchaîne, là, je suis en difficulté, je n'ai ni de chakra, et je n'ai pas de permutation, et le parchemin explosif qui anticipe justement la permutation, boum, le katon dans ma face, Naruto qui dash, encore une fois l'incliné, Li qui ne passe pas, Naruto qui enchaîne, ah, ça va vraiment être très dur pour moi, je prends le combo aérien, et boum, voilà, j'ai pris vraiment le tarif, hop, j'enchaîne, et la Mizukage qui est passée, Naruto qui enchaîne, alors que moi j'avais fait un double A, ça ne sert à rien face à un dash. Allez, là j'enchaîne dans le vent, je permute le Sasuke, on s'est entredashé, tentative de Rasengan qui ne passe pas, la Brise Garde, Li qui est passé, j'ai fait la chop, boum, dans ta face, dégage, et Li protège Naruto du renvoi, Naruto qui enchaîne, j'enchaîne, et Naruto, bien joué, il avait vu la Mizukage, j'avais justement anticipé la permutation de Naruto pour qu'il se prenne la Mizukage, mais ça n'a pas fonctionné. Et là j'enchaîne, double saut mais qui ne fonctionne pas, Naruto qui me punit avec un combat aérien, la Mizukage qui ne punit pas Naruto. Allez, Naruto qui enchaîne, il a sa TS à 3, il faut faire très attention, j'enchaîne, Naruto qui enchaîne, la TS à 3 qui n'est pas passée, la TS à 3 qui brise, allez, c'est terminé, oh là là, ninja move, tentative de TS à 3 qui n'est pas passée, mon seul, et franchement, j'ai eu de la chance que je sois en l'air, parce que si j'étais au sol, j'aurais été puni. Parce qu'en l'air, j'ai pu utiliser ma garde aérienne. Vous savez, on a une petite garde en l'air. Et j'ai pu utiliser ma garde en l'air pour me protéger. Et là, je lui ai fait une brise garde venue de nulle part. Je sais même pas comment j'ai fait la brise garde. Et là, je lui ai balancé la Mizukage avant que le lit me fasse jarter au loin. Donc franchement, très très bien joué à Killer Vador qui a bien joué. Franchement... Bien joué à toi, mais voilà, je passe en demi-finale, et là, dans le deuxième combat du quart de finale, on a Jay avec son Hokage qui affronte Catman et son Sasuke. Ça promet. Allez, connexion en cours, Sento Kaishi, c'est parti. Sasuke qui enchaîne, X-Strike annulé, Sasuke enchaîne, X-Strike qui passe malgré une permutation du Raikage, escroquerie. Allez, Sasuke qui enchaîne, l'X-Strike annulé, Sasuke qui réenchaîne en l'air, Raikage qui anticipe la permutation, Sasuke qui enchaîne en l'air, la douille de Sasuke, encore une fois, il a encore douillé ce Sasuke, Allez,
Tentative de Anton qui ne fonctionne pas, Raikage qui recherche son chakra mais qui se fait arrêter par Sasuke. Sasuke qui tente un incliné qui ne fonctionne pas, le Suiton de Suietsu qui ne passe pas, le Tsuchikage qui ne passe pas non plus, le Raikage qui enchaîne, l'incliné qui passe pour Sasuke, Sasuke qui balance sa parchemin exprès pour éloigner le Raikage, les deux rechargent un chakra, Sasuke qui utilise l'item pour augmenter sa vitesse. Et le Tsuchikage qui brise la garde et le Suigetsu qui a contré le renvoi. Sasuke qui enchaîne, le Raikage qui enchaîne dans le vent. Sasuke qui enchaîne, allez, brise garde. Et il a balancé un item et Raikage a pu se remettre en garde juste après. Et le Tsuchikage qui punit, mais Sasuke est déterminé, il a utilisé sa permutation pour enchaîner. Mais la Raikage bourre, le Raikage bourre, c'est sa seule chance de victoire. J'ai envie de dire la TS à 2, la TS à 2 qui ne passe pas. Oh la punition, il a failli se faire punir, heureusement qu'il s'était permuté avant même qu'il fasse sa TS. Allez, c'est très chaud, mais là voilà, Raikage, bourrage, 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 et encore du bourrage. Et là, franchement, faut le dire, le Raikage, sa seule chance de victoire, c'est sur du bourrage, et pour l'instant, il le fait très très bien. Sasuke qui enchaîne, et voilà, il s'est pris le Tsuchikage, tentative d'Anton qui ne passe pas, brise garde, et voilà, coup de pam dans ta face, suivi d'un coup de genou dans les dents de Sasuke, et c'est terminé, Raikage qui gagne ce combat. Très très bien joué à Jay, qui nous a produit un bon combat, faut le dire, un très très bon combat face à un Catman qui joue très très bien sur Sasuke. Mais là voilà, on voit que malgré tout il a eu du mal face à un Raikage bourrin mort. Et donc voilà, très très bien joué à Jay. Je l'affronte d'ailleurs en demi-finale, donc bravo à lui. Et là le troisième combat du quart de finale, qui opposera Magatama Uchiha avec son Sasuke Kirin et Orochimaru en équilibré, et Dark Faucher avec son Zabuza et Haku en offensif. Connexion en cours. Sento Kaishi, c'est parti. Zabuza qui enchaîne, le Haku qui ne passe pas, ils se sont accrodachés, Sasuke qui enchaîne en l'air, ça ne passe pas. Le Orochimaru qui fait une petite exploration de map. Allez, le Zabuza qui balance des items. Allez, Sasuke qui enchaîne en l'air, le combo est rien qui est possible, mais Zabuza s'est permuté pour rien, et boum, le Suiton dans sa face. Allez, les deux qui tentent un extra hit, mais ils se sont annulés. Et le Orochimaru qui prend tout le monde sur son passage. Haku, Zabuza, la famille, tranquille, toi-même, tu sais. Boum, chop dans ta face. Et voilà, le Sasuke qui a fait une chop sur Zabuza. Donc pour l'instant, il a légèrement l'avantage. Mais ça va être très chaud parce qu'ils sont en train de se vider de leur chakra. Et le Haku qui passe, mais la chop ne passe pas. Voilà, ça enchaîne, le Orochimaru qui n'était pas passé d'ailleurs. Allez, là, le Zabuza qui enchaîne, l'incliné Shuriken, le Haku qui ne passe pas, Zabuza qui enchaîne, il veut briser la garde, l'incliné Orochimaru qui passe. Oh, bien joué de la part de Magatama. Et le parchemin espèce du côté de Zabuza qui ne passe pas, Zabuza qui enchaîne, brise garde. Oh, ah, il n'a pas eu de chance, parce que Haku, quand il touche, il fait monter son adversaire en l'air, et Zabuza, lui, qui enchaîne dans le vent, tac, 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 et ça ne passe pas. Voilà, malheureusement, c'est comme ça, mais en tout cas, encore une fois, une brise garde, et boum, enfin, la chope passe du côté de Zabuza. Franchement, c'est très très chaud. Là, il va avoir du mal, Dark Faucher, parce que Zabuza est un bon personnage, mais c'est un personnage très très lent, contrairement à Sasuke, qui a tous les avantages du bon, j'ai envie de dire, surtout au niveau du corps à corps. Et là, ça va être très compliqué. Voilà, là, combo aérien, enchaîné avec le Orochimaru, la tentative de Katon qui ne fonctionne pas, le Zabuza qui enchaîne, boum, parchemin explosif, et là, il a l'avantage, et la chope, et voilà, Zabuza a l'avantage dans ce match. Allez, là, Zabuza qui utilise l'item pour briser la garde. Voilà, il a déjà brisé la garde. Sasuke qui enchaîne en l'air. Le combat aérien qui est passé. Allez, Sasuke qui enchaîne. Oh, le Orochimaru, encore une fois, qui prend tout le monde sur son passage. Allez, Sasuke qui fait des petits lancers de shuriken. Sasuke qui enchaîne. Le combat aérien qui ne passe pas. Zabuza qui enchaîne. Sasuke qui enchaîne. L'incliné shuriken extra est annulé. Sasuke qui enchaîne. Le Orochimaru, qui touche encore une fois. Allez. Là c'est personne, et voilà, c'est Zabuza qui enchaîne, et pour l'instant la personne, et là ils ont plus de permutes, et Dark Faucher n'a quasiment plus de chakra, ça va être très très chaud, Sasuke qui enchaîne, encore une fois le combo aérien qui passe, là il récupère ses permutes, mais le chakra est très très important, voilà, il se fait encore enchaîner, le manque de chakra se fait sentir. Allez, le Sasuke qui enchaîne, Sasuke qui fait un ninja mouvement en arrière, et boum, voilà, c'est puni, il avait plus de chakra, plus de permute, et c'est terminé. Sasuke valide sa place pour la demi-finale, très très bien joué de la part de Sasuke, mais je tiens aussi à féliciter Zabuza ou plutôt Dark Faucher qui a pris Zabuza, parce que franchement, c'est un personnage qu'on voit très très rarement sur l'online, donc franchement, félicitations à toi, tu t'es superbement bien débrouillé avec.
Et maintenant, c'est à moi de jouer, et j'affronte Jay et son Raikage. Alors, directement, déjà, on va attendre que le combat commence. Donc là, l'équipe du Raikage, au passage, ça fait entêté et tête de mule ou quelque chose dans le genre. Donc, c'est une équipe du jeu. Alors, donc un petit spoil. Là, j'ai remarqué au bout d'un moment que Jay ne jouait plus. Là, je fais le combo et ensuite je vais faire l'incliné. Je venais de remarquer qu'il ne jouait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu qu'il revienne et ensuite je me suis laissé faire, tout simplement. Je me suis laissé faire pour que, et il me fasse perdre la vie que je lui ai fait perdre. Donc là, il me fait un combo et ensuite il va me faire un lariat. Et donc après, le combat va commencer. Je sais pas pourquoi il n'avait pas joué. Je pense qu'il n'avait plus de piles dans sa manette ou une connerie du genre, je sais pas. Mais en tout cas, le combat commence. Boum, je balance un petit item. J'enchaîne dans le vent, l'extrait qui ne passe pas. Un Kage qui enchaîne et boum, la Mizugage qui le calme. Et le Tsushige de son côté me calme aussi. Allez, là j'enchaîne. Le Raikage qui enchaîne. Mais voilà, on s'est entredaché. Allez, là cette fois-ci, Raikage brise garde. Là, il fait vraiment du bourrage. Et là, franchement, j'ai pas le choix. Là, il faut que je bourre parce que si je joue entre parenthèses techniques, je suis dans la merde. Parce que Raikage, c'est un spécialiste du bourrage. Et là, franchement, là, je fais vraiment du très très bon bourrage. Raikage qui enchaîne. J'enchaîne et le Tsushige ne me touche pas. Je recharge mon chakra. J'enchaîne. Et boum! Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Je valide ma place pour la finale. Et très très bien joué à Jay, malgré le fait qu'il n'était pas là, peut-être au début du match. J'ai vu qu'il s'était déplacé, mais je pense que c'était sa manette, je pense. Mais bon, c'est dommage. Et en tout cas, petit instant promotion, allez voir la chaîne de Jay. Franchement, il fait de très très bonnes vidéos. Checkez la chaîne que je vous mettrai dans la description. Il fait vraiment de superbes bonnes vidéos. Voilà, l'instant promotion est terminé. Et on va passer à la deuxième demi-finale qui opposera Magata Maucha à LTTX Otakata qui prend justement le Minato. Avec Madara en équilibré, et lui a été épargné, de quart de finale, donc il a eu sa place directement pour la demi-finale. Mais est-ce qu'il la mérite? C'est la grande question. Le combat a déjà commencé depuis un bon moment, parce que qu'enchaîne le Orochimaru qui touche. Pour l'instant, le Sasuke a l'avantage, mais là on voit plus Minato. Là Minato se fait remarquer, mais pas pour les bonnes choses. Allez, là voilà, Sasuke qui enchaîne, et ils se sont entredâchés, le Madara qui ne passe pas, mais le Orochimaru qui prend tout le monde sur le passage, encore une fois, il touche. Ah, il a pas de chance, il a vraiment pas de chance. Sasuke qui enchaîne, boum, voilà le combo, le combo est rien qu'à fail. Sasuke qui enchaîne, encore un bug, dis donc, ça enchaîne les bugs avec le combo aérien qui fail, avec un Minato qui nous fait un super jump. C'est vraiment du n'importe quoi. Allez, le Katon de Madara qui ne passe pas, l'incliné qui ne passe pas du côté aussi de Minato. Minato qui tente encore une fois l'incliné, mais voilà la punition par la chope de la part de Sasuke. Et pour l'instant, Sasuke a logiquement l'avantage. Je sais pas ce qu'il fait Minato, il fait beaucoup de gesticulations, je trouve. Ce qui ne va pas l'aider parce que là, franchement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous voyez, le combo aérien qui était passé, l'incliné lui qui ne passe pas, Sasuke qui enchaîne, encore une fois le combo aérien alors qu'il a toutes ses permutes. Je ne sais pas. Là, franchement, je suis. Encore une fois, le Orochimaru le touche. Il est vraiment en difficulté dans ce match. Utakata, plus de chakra, il le gaspille bêtement. C'est dommage, il faut qu'il se rattrape. Le match n'est pas tout à fait terminé pour lui, mais il faut qu'il tente une remontée, il faut qu'il arrête toutes ces conneries de gesticulation inutile, parce que sinon il va se faire punir. Et pour l'instant, il a un doigt de se faire punir, et la chope qui est passée, boum, voilà. Ça va être très dur, franchement ça va être très dur. Et là, plus Magatama touche Utakata, et plus je prédis la victoire de Magatama, parce que là ça va être très très dur. Allez, le Katon qui ne passe pas, le Orochimaru lui qui a brisé la garde, boum, le Katon. Ah ouais, là, ça va être très très dur. Minato tente de se rebeller, le Katon de Madara qui ne passe pas, Sasuke qui enchaîne. Allez, le Minato. Alors là, l'incliné, une petite TP, la chope qui ne passe pas, Minato qui enchaîne, incliné, permutation, Minato qui enchaîne, allez, Minato qui réenchaîne, ninja move, incliné, encore une fois l'incliné qui ne passe pas, oh, il a une goutte de vie, le Raishin, incliné, Raishin, ah, dis donc, il nous fait un gros combo sur la fin, et voilà, c'est terminé,
victoire logique et méritée de la part de Magatama qui a affronté un adversaire qui a beaucoup gesticulé. C'est dommage parce que franchement, LTT Xu Takata, c'est un très bon joueur, mais je ne sais pas ce qu'il faisait. Bon, bah en tout cas, voilà, c'est comme ça. Sasuke qui passe en finale et qui m'affronte. Qui de moi ou de Magatama va gagner ce tournoi? Je vous demande à toutes et à tous de lever vos mains vers le ciel. Donnez-moi votre énergie comme Sangoku. Levez vos mains, j'ai besoin de votre énergie. Allez, on va se concentrer un petit peu. Allez, on se concentre. Allez, connexion en cours. Sento Kaishi, c'est parti. Voilà, je dash, j'enchaîne. Sasuke qui me balance un item, le Orochimaru qui ne passe pas, j'enchaîne, Extra Hit qui ne passe pas, la Mizukage ne passe pas, rien ne passe. Allez, j'enchaîne, il se permute, il me balance un item, combo rien qui ne passe pas, j'enchaîne, ça se passe pas, ça ne passe pas, il fait un backdash, j'enchaîne, et la Mizukage qui vire le Orochimaru, tentative de chop qui ne passe pas, combo rien qui ne passe pas pour l'instant, j'ai l'avantage en chakra et en vie, mais ça va être très dur, tentative de chop qui ne fonctionne pas, l'incliné non plus. Allez, là, Sasuke qui m'enchaîne, et le Yotan de la Mizukage qui passe, et le Orochimaru qui m'a touché sur la fin. Oh là là, je sais pas si vous avez eu les yeux, mais il m'a touché sur la fin, et au passage, le missile drop qui ne passe pas. Allez, la Mizukage, là, qui est envoyée dans le vent. Sasuke qui enchaîne, pour l'instant, c'est très très chaud, hein. C'est très très chaud, j'ai pas envie de perdre. Sasuke qui enchaîne, j'enchaîne. Allez, brise-garde en l'air, mais voilà, j'ai pas eu les effets de brise-garde. Allez, Sasuke qui enchaîne, l'extra est annulé, la chope qui est passée, je suis en très très grande difficulté dans ce match. Ça va être très très chaud. J'ai la permute, et j'ai assez de chakra, et j'ai récupéré mon chakra. C'est le moment ou jamais de le terminer. Il faut tenter un Nugi Cancel parce que oui, Karine a un Nugi Cancel dans ce jeu. Et voilà, Sasuke qui me touche, Karine, et voilà, le combo aérien qui est passé. Faut pas que je perde, sinon ça va être cuit pour moi. Allez, je tente de jouer très offensif, faut pas laisser Sasuke respirer. Le Yoton qui touche au sol. Ah, c'est moche. Et je récupère mes permutes. Allez, là je voulais attendre d'avoir mes 4 barres de permutes. Ça ne s'est pas fait encore une fois, le bug de la Mizukage qui est passé. Et le Skaton de Sasuke, lui qui n'est pas passé parce que l'Orochimaru m'avait touché avant. Allez, Sasuke qui enchaîne en l'air. La Mizukage qui ne touche pas. Allez, là ça va être très chaud. Il a récupéré tout. Il a le chakra, il a la vie. Non, il a peut-être pas la vie. Le Orochimaru qui me touche. Allez, c'est très chaud. C'est très très chaud. Il me troll. Impardonnable. C'est impardonnable. Oh là, c'est bon. Là, je suis en mission. C'est bon. Là, il m'a trollé. Il a dit, ah ouais, tiens, regarde, je passe en éveil. Vas-y, viens. Je vais t'attraper maintenant. Extra Hit qui passe. Voilà, on rigole plus maintenant. On rigole plus. Ça passe. Le missile drop kick, lui, qui ne passe pas. Allez, voilà, je balance un shuriken. Le Orochimaru qui ne passe pas. Le Sasuke qui enchaîne. Je permute, j'enchaîne, il permute. L'extra Hit qui ne passe pas. J'enchaîne en l'air. Sasuke enchaîne. La Mizukage qui ne passe pas. Brise-garde, combo. Allez, je suis à deux doigts de la victoire. Le Orochimaru qui ne passe pas. J'enchaîne, combo aérien. Non, c'est pas terminé. Je recharge mon chakra. La Mizukage. Oui. La victoire. Yes. Voilà. La victoire revient à qui? Revient à qui? Hein? Non. Qui? Hein? Quoi? TNN. Voilà. The News Naruto. Et j'ai gagné en plus avec qui? Qui? Karine. Voilà. Karine. Oh là 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 là. Le miracle s'est produit. Grâce à votre énergie que vous avez envoyée dans le ciel. Oh là là là. Incroyable. Voilà. Yes. Voilà. J'exulte de joie. Yes. Voilà. En tout cas, les amis, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment très très heureux d'avoir gagné mon propre tournoi. Si le grand tournoi de nous a retour vous a plu, n'hésitez pas à tout regarder, à tout remater. Et sur cette vidéo-là, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à la partager. Et donc voilà les amis, je vous laisse, on va se retrouver pour de prochaines vidéos. Et je vous dis donc à la prochaine et salut tout le monde.